Ça, c'est le yoga dans les airs. Donc, vous êtes perché dans un hamac pour faire les postures de yoga. C'est pas l'école du cirque. On adapte vraiment les postures traditionnelles de yoga avec le hamac. Alors, ça va permettre de faire des postures plus facilement. Ça va permettre de travailler les muscles aussi en profondeur. On va solliciter pas mal le gainage. Au niveau de la relaxation, quand on est allongé dans le hamac, on est en apesanteur, c'est top. Ça permet aussi de limiter la pression au niveau de la nuque, au niveau du dos, dans les postures. Et puis, ça amène aussi un côté nouveau, quelque chose qui est un yoga un peu plus moderne. Pour vraiment avoir les bénéfices du yoga, il faut 2, 3, l'idéal 4 séances par semaine. Ça doit vraiment devenir une habitude de vie. Ici, vous allez pouvoir prendre la salutation au soleil que vous pourrez refaire chez vous. C'est vraiment changer, entre guillemets, son mode de vie. C'est acquérir des nouvelles techniques pour mieux respirer, pour mieux se relaxer, pour refaire des postures chez soi. C'est pas juste on prend, on consomme, on part. J'ai vraiment envie que les gens, quand ils viennent, ils repartent avec vraiment un contenu, des petites astuces qu'ils peuvent garder au quotidien pour être mieux dans leur tête, dans leur corps, unifier les deux.